Derrière, première reprise donc de préparation. Et Jean-Claude Van Damme, lui, va dans le coin de Dida. Ok, maintenant, si tu donnes un petit peu plus de risque, Dida, la bouteille d'eau, Léon. Mais moi, regarde, il cherche que le crochet de gauche. Hein? La bouteille d'eau, Léon. Sur la tête. De l'eau. Donne-moi le saut, s'il te plaît. De l'eau, je crois. De temps en temps, quand il rentre dedans, envoie la gauche et essaye de lui percuter court avec la jambe après. Essaye simplement. Gauche, puis percute court. Dans le coin de Dida, Samy Kepchi, donc organisateur et ancien champion du monde mi-lourd qui est maintenant arrêté, et puis ses entraîneurs. Oui, les frères Antoine et René Desjardins, entraîneurs du Derek Club, donc de la Courneuve. Et c'est un véritable stand de Formule 1 là dans le coin de Dida. On s'occupe de la tête, mais on s'occupe aussi des jambes. Oui, parce qu'il y a pas mal d'endroits où on reçoit des coups. Voilà, comme là, la caméra est sur Decker, si on voyait la préparation sur les tibias. Ah, les deux hommes se méfient l'un de l'autre. Tous les deux ont beaucoup, beaucoup de victoires avant la limite. Deuxième reprise. Maintenant, le combat va certainement prendre un peu plus de rythme. Les deux hommes se sont testés, ils se connaissent bien. Hein. C'est deux des plus grands de la boxe thaï qui sont sur le ring de Levallois ce soir. Il y a une très grande marque au tibia de la jambe droite d'Idas. C'est assez inquiétant car ça peut lui donner une faiblesse à l'impact et également lors des blocages. Ces échanges de coups de tibia dans les cuisses, c'est très très douloureux. Vraiment, c'est parce qu'ils sont préparés qu'ils ne flanchent pas. Mais on se rappelle très bien des béquilles qu'on se donnait quand on était gosse dans la cour de l'école. C'est exactement ça. Ça choque très fort le quadriceps. On a vu une tentative de coup de coude de Dida sur Decker. Là, un déséquilibre. Très belle esquive du français. Coup de pied direct. Coup de pied direct, beaucoup utilisé par Dida pour tenir Decker sa distance. C'est un bon moyen de cadrer également. Ah oui, ça c'est effectivement autorisé. C'est cette jambe et cette projection. Et oui, c'est dans les règles. Alors ça fait pas grand mal, mais psychologiquement c'est toujours délicat de se retrouver au sol avec son adversaire glorieux. Il a du mal Dida ce soir, il a du mal, il a en face de lui un très gros frappeur. Oui. Face à lui c'est la légende de la boxe thaï carrément, celui qui a été ovationné sur tous les rings thaïlandais. Et c'est vrai que Dida ne déclenche pas comme à son habitude, il faut maintenant qu'il se lance. Peut-être s'est-il donné une moitié de combat avant de prendre des risques. Richard, il a des consignes très strictes, Dida. Il sait qu'il doit faire très attention et ne prendre aucun risque pendant les deux premières reprises. Samy Kepchi, les frères Desjardins lui ont précisé et reprécisé durant les entraînements. Decker, c'est très dangereux durant les deux premières reprises. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il ne tente rien. Il devrait plus utiliser son point avant et sa jambe pour tenir le Hollandais à distance. C'est vrai qu'il n'a pas son agressivité habituelle. Mais il ne rencontre pas non plus un adversaire habituel. Ça va venir. Écoute-moi bien. Maintenant que tu es bien chaud, tu vas en combat. Maintenant c'est barré. Okay. Tu vas le chercher. D'accord. Okay. Tu vas le chercher. Mais juste chercher une pointe. D'accord. Pointe. Tu sais que de temps en temps les bras qui rentrent. Oui.
les jambes ne suivent pas. Hein, essaye de suivre la jambe. Parce que les bras, de temps en temps, tu fais des gauches, droites, avant. Suis avec la jambe arrière. Et les jambes avant. Hein, Dylan. Hein, parce qu'il faut marquer des points. On est le troisième, il faut marquer un peu de points. Allez. En plus d'initiative. Alors on est. Enchaîne. Il y a l'écran Joe Prestia. Enchaîne. Okay. Il faut marquer des points. Le seul Français pour l'instant à avoir battu Ramon Dekkers. Tu dois faire le low kick dans ce mec-là. Chaque fois qu'il t'approche, le low kick de la jambe droite dans sa jambe. Il est faible en low kick. Parce qu'il a des sales coudes et des sales poings. Des low kicks, tu l'empêches de venir. Low kick, casse-lui ses jambes, casse-lui tout. Mais on enchaîne plus quand même. Low kick, ce sont des coups de pied circulaires dans les jambes. Tout simplement, qui servent tout simplement. Facile à dire. Qui servent à briser les appuis en fait de l'adversaire. Et ensuite, on peut éventuellement enchaîner avec les poings. Le combat, je crois, va démarrer pour de bon maintenant. Ah oui, si les boxeurs tournaient à 70 ou 80% de leur moyen, maintenant, ils sont au moins à 100%. Ramon Dekkers qui prépare son crochet du gauche. Pied direct, doublé. Et ça, c'est ce que Dida doit faire plus souvent. Dans les coins, il y a de l'eau parce que on met de la glace, on met de l'eau sur les boxeurs et ça glisse, bien sûr, ils sont pieds nus. Et le kick très puissant de Dekkers. Oh là là, il a été tellement puissant qu'il a rebondi sur la jambe de Dida et il a chuté. Il a eu mal, Dida, sur cette technique. Il a eu très mal. Ils vont prendre des risques maintenant, tous les deux. Ah oui, les présentations sont largement faites. Voilà, et quand Dekkers frappe comme ça, très fort dans les jambes, c'est qu'il prépare ses enchaînements de points. Ah, attention, blessure, non, de Dekkers. Et si c'est l'arcade qui s'est rouverte, le match n'ira pas à son terme. Blessure de Dekkers, coup de théâtre. Voilà, c'est au front, la blessure va être difficile à arrêter. Oui, c'est en plein milieu du front. Très grosse entaille. Je vous rappelle que ce championnat du monde a lieu avec les coups de coude. Stop. Effectivement. Hein. Stop, hein, je crois. Stop. Cool. Oh là, oui, ça coule. Oh là là. Victoire sur blessure. Bon, qui satisfait les fans, les supporters de Dida, car Dida est champion du monde. On va essayer de retrouver dans nos images. Jean-Jacques Alcellel doit être en train de chercher le ralenti du coup qui a ouvert le front. Il semble que c'était juste quelques secondes avant dans les cordes. Voilà. Et voilà, coup de coude. Et voilà. Superbe contre en coup de coude. Eh oui, parce que bah là c'est déjà plus tout à fait pareil, parce que ça fait exactement partie des armes et des coups de la boxe thaï. Et les coups de coude, bon, on aime ou on n'aime pas, hein. On a choisi de vous montrer de la boxe thaï ce soir, on savait où on allait. Moi personnellement, ce que je vous demanderais, eh bien, c'est effectivement une des armes décisives, et Jean-Claude Van Damme peut être content. Le voilà, Dida, champion du monde de boxe thaï. Et il est heureux, Dida, c'est clair. Il est très heureux. Surtout que, Charles, on parlait du coup de coude. Effectivement, c'est une technique qui peut parfois choquer. Mais pourtant, elle fait partie de l'arsenal et c'est une des techniques les plus pures de la boxe thaïlandaise.
Donc il n'y a rien à dire. Ce soir, Dida a gagné son titre avec une des techniques les plus pures de la boxe thaï. Il n'y a qu'à le féliciter. Oui, oui, bon, c'est vrai, c'est juste au moment où le combat était en train de prendre son rythme et la dimension qu'on attendait. Mais ce combat est gagné, c'est pas sur un accident, quoi. C'est sur un coup qui permet à pas mal de combats de s'achever. On peut même ajouter que c'est un coup qui est souvent recherché par les plus grands champions, car gagner sur une technique pareille, eh bien, ça équivaut vraiment à remporter une très grande victoire. Et c'est une grande victoire. Donc pour Dida, qui avait des supporters dans la salle, bien évidemment, et qui avait un supporter de chaque, donc avec Jean-Claude, on était en train de dire, Jean-Claude, ça fait partie exactement de l'arme et des arsenaux.